10 00. Appelez-nous, c'est le numéro à composer pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce sont 5 10 00. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est d'accord, nous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, la journée d'hier a été pour nous dans la ville de Tarek. Par rapport à l'esprit de l'essence, nous n'avons rien compris. Et finalement, l'essence passe de 750 francs à un tarif de 1500 francs, comme je pourrais le dire, parce que dans la, après 20 heures, l'essence était déjà à 1500 francs. Mais ce que je déplore au niveau des stations, c'est qu'il y a de l'essence dans leurs choses. Mais ils ont refusé de vendre. Et quand je parle du refus de vendre, nous avons constaté que c'est allumé, que le message est écrit. Mais dans le passé, quand nous allons, quand il n'y a pas l'essence à la station, c'est écrit en réalité ce que vous pouvez dire. Mais ces gens, toutes les stations, on dirait qu'ils manifestent un mécontentement ou bien comment, nous n'avons pas compris. Et ils réservent l'essence là pour les revendeurs au bord de la voie, mais nous qui sommes qui pourrons quand même nous diriger auprès d'eux pour avoir un litre de litre, c'était pas possible hier. Je vous assure, hier, moi j'ai vu des gens traîner la moto dans les rues, c'était étonnant. J'ai connu un monsieur qui était obligé de garer sa voiture et prendre une rentrée chez lui. Mais c'est pas bien, nous n'avons pas compris. Il faudrait que les dirigeants pensent à cette préoccupation ce matin-là. Après, je suis sûr aujourd'hui, le temps sera à 1500. Bonjour à vous. Allez, très bonne journée, merci d'être passé. Ce sont 5 10 0 0 1. Appelez-nous. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur Isaké. Et mon capitaine de l'État, c'est mon appel de la vie de son ami. D'accord, vous écoutez. Avec votre réponse, je voudrais vous rappeler que la carte de ce mieux, mais en tant que chrétien, depuis 1994, tout ça, depuis mes références, pour tout ça aujourd'hui. On fait du côté de Pierre, le cercle de mieux. Puis dans notre pays, on arrête encore des syndicalistes, ça me calme. Selon moi, on peut me contredire, je suis un spécialiste ou un spécialisé dans ce domaine. Un syndicaliste, c'est celui qui se fait à chaque coopération. Chaque coopération, dans chaque service qui présente la même, tout le monde peut se présenter. Mais si on peut dire, il faut quelqu'un, il ne va pas les arrêter, il ne va pas être la menace. Il ne peut pas les arrêter, c'est là encore. Et il faut déjà tout défendre. Le collègue, le camarade, ce n'est pas le mieux qui va arriver sur ce point-ci, je sais pas encore, mais entre nous-mêmes, les humains, donc je demanderai à ceux qui le font, je vais vous dire que c'est le fait, pour qu'on ait la paix des mieux. À tout à l'heure. Allez, merci. 65 10 00 pour partager avec nous l'actualité de votre choix. 65 10 00. Notre intervenant en ligne. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Présentez-vous. C'est une galère. Nous vous écoutons. Oui. Vous savez, la politique qui aime des discours, c'est un conseil de faire tout du ça va bien dans le pays. Moi, je vais leur dire, je dis, ça va bien pour eux. Parce que vous avez vu le temps de faire. Et on voit des discours pour dire que je suis le président et que tout va bien. Non, c'est pas bien ça. Deuxième chose, le championnat féminin, il faut à quel niveau je ne suis pas dans les émissions pour tout le championnat féminin. Merci et bonne journée à vous. Allez, merci d'être passé. Très bonne journée à vous. Ce sont 5 10 0 1 0 1. Auditeur en ligne, bonjour. Allô? Bonjour. Encore une fois, bonjour. Salut, bien, la liste est bien. C'est par rapport à la charte de la vie. Et nous ne pouvons pas le faire. On connaît toujours une solution. Voyez où? Après ce. Et pas du tout pour tout un cher. Comment pouvez-vous vous comprendre? Quand vous voulez du gari? Après que le même prix qu'on se veut dire, vous voyez, le moment est le même cher. Et la semaine, le général Cameroun qui a été maquillé, en tout cas, il avait dit qu'on doit multiplier les états de manière que plusieurs de l'Union étaient contre. Vous voyez, aujourd'hui, si celui-là est encore bon, vous voyez, il allait avoir raison sur tout le monde.
tout ce qui est découragé. Vous voyez, c'est quoi le côté de ce côté-là? C'est pas parce que c'est ce qui va manger qu'on va généraliser, qu'on va répéter tout le monde mange. Alors qu'en réalité, les 98% de gens aujourd'hui souffrent. Et vous le voyez, qu'on est à l'intérieur de ce côté-là, bien là-haut. On peut vous dire, allez-y. À demain, et merci d'être passé. Ce soir, 5-10-0-1-0-1. C'est le numéro à composer, appelé de l'autre intervenant en ligne. Bonjour. Nous écoutons. Allez, très bonne journée à vous. Ce sont 5-10-0-1-0-1. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Allô, bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, votre nom. Nous écoutons. Bonjour, à titre personnel de la radio. Bien, monsieur le journaliste, je passe par le canal par rapport à la sécurité de la vie. Depuis l'annonce du COVID-19, de la sécurité totale au Bénin, la majorité des jeunes n'arrivent pas à résoudre leurs deux bouts. Et c'est difficilement un repas, difficilement à manger un repas par jour. Mais où allons-nous avec tout ça? Celui qui sert à saluer ne fait pas quelqu'un d'autre assez. Celui qui trouve la source d'un vie pour dire que la sécurité de vie est à nez. Maintenant, c'est ainsi, nous allons faire des solutions. Jusqu'à la langue de somme, mais ça ne va pas. C'est pour ça, les produits de première nécessité sont tellement très chers. Sans aucun minute d'accompagnement, nous demandons humblement à le gouvernement de la Russie de revoir encore leur costume par rapport à leur gestion. C'est la qualité de la vie. Et c'est le vous. Et 65-10-0-0, appelez-nous. C'est le numéro à composer. 65-10-0-0, auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour. Qui est-ce là? Oui, d'accord, nous écoutons. J'ai dit félicitations pour les communes du Bambou. Et tout que tout ça va bien. Nous le remercions beaucoup. Bravo à eux. D'accord, merci pour votre appel, Monique, c'était nous. 65-10-0-0. Voilà, notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, c'est à moi, je vous appelle du quartier Madina. Nous écoutons. Monsieur René Sogo, franchement, ça ne va pas. Tout le monde à nos gouvernants d'avoir prêté à leur pauvre population. Mais ils ont aussi montré qu'ils sont pour gouverner. C'est pourquoi ils sont au pouvoir. Franchement, à cause de l'ouvrage de la cause, franchement, un frère a demandé et il se disait, je ne vois pas qu'il va quitter le pays. Mon frère, ne quitte pas le pays. Ailleurs, c'est plus clair que ce que nous vivons. Mais pourtant, je demande à notre gouvernement de penser à la boutique témoin. Parce que ce n'est pas pour rien qu'on a créé cette boutique. Voilà ce qui m'a poussé à vous appeler. À tout de suite. Allez. Tout de suite, si possible, hein. 65-10-0-0, nous sommes là jusqu'à
7h, un autre intervenant au bout de l'allée, bonjour. Allô. C'est 10h00, votre nom. Bonjour, monsieur René Sauveur. Ouais, présentez-vous. Et moi, Chaka Wangel, du quartier de la Parapo. D'accord, nous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, je ne sais pas, quel est ce premier fan qui vous frappe dans cette période de la Russie. Et j'ai dit un mauvais vent, il n'a pas que quelqu'un la tête qui va prendre et dit que vraiment les gens sont satisfaits. Il n'a pas. Partout sur les problèmes. Sur les problèmes. Regardez, la cherté de la vie. Et dans un autre grand marché, il n'a pas ce qui n'est pas cher. Tout est cher. Et je suis d'accord maintenant que depuis avant-hier. Les gens s'assemblent de pays. Et même encore, pour trouver ça, c'est encore rare, c'est difficile. Il faut parcourir encore des kilomètres. Pendant ce temps, nous on avait attiré l'attention ensemble, on avait attiré l'attention du gouvernement à ce qui crée des stations partout. Mais leur parole est rentrée dans les forêts du sud. Regardez, hier, à 21h, mon maison était finie, si le micro me prend ça à 1200 le litre. Moi, j'ai dit à 1200, je devais tirer ma moto et appuyer la moto à la maison. Elle était prête. C'est pas bien. Il a fallu. Parce que, il y a des choses vraiment, et même, c'est l'impôt. Mais il ne veut pas se corriger. Pour les gens, le fait que je dis la même chose, il ne veut pas se corriger. Vous avez acheté l'essence finalement? Il est là. Moi, je n'ai pas acheté. J'ai tiré ma moto dans le Marika. J'apprends qu'aujourd'hui, ça va monter encore. D'accord, je n'ai pas dit que je n'ai pas roulé la moto. Je préfère marcher. Je vais le voir marcher, je vais le voir à pied. Pourquoi à pied? C'est une marche pacifique. Allez, bonne journée. Ce sont 5-10-0-0, un sacré Jacques Arroyeré, voilà, qui nous racontait sa mésaventure. Il n'est pas seul hein, à vivre cela depuis hier. Tout le monde, bien sûr, réfléchit. C'est bien sûr compliqué avec voilà, la disponibilité donc, du carburant aussi au niveau de la station. Ça se raréfie et donc, voilà, on fait avec. Voilà. On limite les mouvements, quoi. Allez, un autre auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur Adam, à tout dans l'appareil. D'accord, nous écoutons. Les maires du Bangou sont contents du gouvernement. Et comme les catholiques avaient dit que le gouvernement, c'est que le gouvernement n'était pas bon, ils ont dit que la mer, pour les poussets. Donc, eux aussi, les mêmes pour les poussets. Voilà ce que le fait, c'est fait. On va encore dire que les gens, c'est la même qui pousse les dépouillants. Vraiment, il faut que les gens m'en disent, mais c'est nous la paix. On a besoin de la paix de tout vivre. Il faut que le gouvernement se corrige. Il faut que le gouvernement se corrige. Très bonne journée, merci d'être passé. Ce sont 5-10-01-01. C'est le numéro à composer. Appelez-nous pour passer d'un point de vue. C'est votre rang, c'est votre rubrique, c'est votre tribune. Profitez-en pour nous dire dans les règles de l'art ce que vous pensez de l'actualité. L'actualité de votre choix tel que vous l'avez. Cette actualité, auditeur en ligne, bonjour. Monsieur René Sauveau, oui. Je suis tellement étonné avec le président de On l'a perdu, elle voulait s'intéresser à l'actualité au Niger, hein, frontière Bénin-Niger, vous le savez. Voilà, ce soir, 5-10-0-0, appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Il a la possibilité de nous revenir avant 7h. Ce soir, 5-10-0-0. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Intervenant en ligne, est-ce que vous m'entendez? Vous êtes dans point de vue, bonjour. On l'a perdu. 65-10-0-0. Point de vue, c'est vous qui l'animez. Appelez-nous. 65-10-0-0 pour partager votre actualité avec nous. Votre actualité qui nous intéresse justement. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, votre nom.
m'appelle Ayonadi, donc j'appelle Amaouna. Nous vous écoutons, Dieudonné. Ok, très bien. Monsieur le journaliste, quelque chose m'est arrivé hier. Ça m'a étonné. Je suis allé faire Zéliza. Et j'ai tombé sur la voie avec un client. Et l'agent de sécurité police est venu tomber sur ça. Il m'a dit, qu'est-ce que tu fais sur la voie? Je dis, chef, excusez-moi. Je n'ai pas garé sur la voie. Je suis tombé. Ouvertement, il m'a dit que de dégager sur la voie. Et alors que je suis tombé avec un client, je suis en train de prendre le télé, j'ai mené la moto de vous sur la voie. Il m'a vu, je vais faire gâcher, je vais pas finir un peu, je vais finir une chose. Il a dit de dégager sur la voie. Est-ce que ça là, c'est bon, monsieur le journaliste? La voie, la vie de l'homme est importante, mais c'est la voie qui est importante, mais c'est le futur qui est important pour lui. Si c'est pour ça, il y a la salle m'a énervé. Moi, je veux dire que c'est le mari qui va tout se faire à passer bien. Aujourd'hui, c'est pour eux, mais demain, c'est pour nous. C'est Dieu nous gagne. Nous avons compris, un peu choqué de cette situation, on comprend. Mais c'est aussi pour la sécurité. C'est compliqué quand même de trancher à ce niveau. Très bonne journée à vous. Ce sont 5-10-0-0-1. Notre intervenant, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. À qui est l'honneur? Je crois que je peux corroborer. D'accord, nous vous écoutons. Voilà, parce que je demandais juste le coup de la vie pour revoir les choses qui se passent, des montants qui sont en train de gouverner des hommes. Je l'accueille à écouter le coup de cœur de la population. Les gens ont fait dans le pays. Les gens ont fait. Quand ça réussit, et que tu n'es pas bien, aujourd'hui, à tes ordres. Ce qui se passe aujourd'hui dans la vie, c'est dangereux. Les éléments faits qui vont braquer, qui vont agripper les gens. Merci beaucoup. Allez, merci d'être passé. 65-10-01-01. Appelez-nous, partagez avec nous la qualité de votre choix. 65-10-01. Si bien, à passer de 50 minutes déjà. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Voilà, votre nom. Nous vous écoutons. Au niveau des centres, là, ça vous fait comme ça, là, il n'a qu'à essayer de vous avertir, quoi. On peut comme ça, que les temps là, attends là, les gens qui n'est pas là, ou bien ça va monter des prix. Ou bien les populations savent. En dehors de ça, les marchés qui arrivent vers la Sakura là, il n'y a pas de justice comme le marché de Paraguay. Dans vos journal, si vous pouvez nous arrêter ça et fixer ça, que les commerçants puissent savoir aujourd'hui, c'est tel jour des marchés qui est à Sakura. Merci, ce sont 5-10-0-0, appelez-nous. Un autre intervenant, oui, bonjour. Oui, bonjour. C'est l'État, le président du Sénégal. C'est le président du président du Nigeria. Du Nigeria, que je voudrais dire. Au moment où le général là, et Johan était aux affaires. Les gens se foutaient tellement mieux faire. Mais à ma grande surprise, lorsque le secteur pouvait devenir tout est devenu clair. Pourquoi cela? Franchement, il faut qu'on ait la tête pour penser. Ce n'est pas sérieux. Il faut qu'il change. Normalement, c'est un qui est le plus riche. Il se sera long. D'être passé sur 65-10-0-1-0-1 pour passer en direct et partager avec nous votre actualité. Un autre intervenant, oui, bonjour. Bonjour, monsieur René Soglo, je suis Jacques Aouenza du Café Tranga Parapo. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. En fait, il a parlé du rendement social dans son second quinquennat.
mais on essaie de constater que ce logement social ne se fait pas tranquille. Parce que nous ne voyons rien de ce logement social. De jour en jour, les choses crèvent. Il n'a pas où tu vas dire vraiment ici, c'est bon. Tout va de mal en pays. On ne parle de retouvent social. Le retouvent social, c'est de guérir les populations. Si les gens ne sont pas contents, où est le retouvent social? Le social, je vois que c'est le rougir les yeux des populations. Et là, à l'heure de soir, tu n'as pas que la vie va dire tout est bien. Tu n'as pas. Tout le monde est fait. Où est alors le retouvent social? Bonjour, merci, à bientôt, je vous. Allez, merci d'être passé ce soir 5-10-0-1-0-1. Appelez-nous pour partager avec nous l'actualité de votre choix. Ce soir 5-10-0-1-0-1. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, pour les retours de visite de l'Institut Capitole. Nous écoutons. J'ai entendu le maire de la ville, tous les employés, qui nous disaient que la deuxième phase d'Alphatage aura lieu dans la ville de Tarakou à compter du 15 mai. Vraiment, c'est un soulagement pour nous. Mais moi, j'ai toujours dit que est-ce que le quartier Bani Kani va toujours bénéficier de cela, parce que depuis que moi, la décentralisation a commencé à Tarakou, j'ai constaté que c'est quand un maire est élu dans une localité, et que le quartier bénéficie de ce projet. Et qui vient du gouvernement. Oui, toutes les rues de Bani Kani ne sont pas prises en compte, mais c'était annoncé. Et donc, le maire a dit qu'il n'y a aucun changement. Bani Kani est donc prise en compte par le projet Asphaltage 2. Merci de votre compréhension. Très bonne journée à vous. Ce sont 5-10-0-0-1. On va prendre un autre interview. Donc, ce sont 5-10-0-1-0-1. Auditeur en ligne, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Salut, mon cas de football. Nous vous écoutons. Oui, c'est le cas de la vie. Moi, je dis toujours, il faut que nous, la population, on puisse commencer par connaître que chaque année, là, à ce moment-là, on aura problème de cette chose-là. Vous voyez, lorsque vous êtes un père de famille, il faut prévoir tout ça, là. Et commencer par regarder les carrés vides à côté de vous, là. Et faire quelque chose pour avoir au moins de quoi manger. C'est pour ça que le maire a demandé à notre maire d'interpeller tous les délégués de quartier. Et les délégués là vont dire aux propriétaires des animaux d'arrêter les animaux pour le temps que la population peut utiliser les carrés vides qui sont à côté d'eux. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour aller acheter des hectares pour faire champ. Au moins, comme les autres ont acheté des carrés, ils n'ont pas utilisé, que la population puisse utiliser ça. Mais les animaux embêtent tout le monde. Merci d'être passé dans le point de vue. On prend le tout dernier ce matin. Ce sont 5-10-0-1-0. Ce sont 5-10-0-1-0-1. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Alzamar Odo, là, il va la mieux. Nous écoutons. Oui, permettez-moi ce jeudi matin, on dirait même du côté de Téma. Il m'a fait que la population serait en paix. En dehors de ça, vraiment, monsieur le journaliste. On paye des caveras. Hier, je ne peux pas comprendre les conflits, vont dire le litre à 1200, 1500. Actuellement, je te parle, monsieur le journaliste. Vraiment, je suis assis sur le marché à cause de l'enfant. On me dit 1500. C'est un peu la peine. Parce que tous les émissions vont rouler aujourd'hui. Et les enfermés qui vont être servis. Mais je ne peux pas faire ça. À mon petit, c'est pas le mieux. Merci à vous. Ce sera donc tout pour les appels pour le compte de cette matinée. On s'arrête là. On se retrouve dans quelques secondes pour le mini-débat. Recevoir la vraie information.